chérie, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouveau vlog. Donc là, j'ai filmé ces dernières semaines. En fait, j'ai fait plein de vidéos que je ne vous ai pas mises en ligne. Donc du coup, je me suis dit que je vais vous mettre plein de petits moments. Comme ça, voilà, vous allez voir tout ce que j'ai fait ces dernières semaines. Donc notamment mes ongles. J'ai fait mes ongles de pied. J'étais allée acheter chez Christian Louboutin ma Socate. Voilà, j'avais fait plein de petits trucs. Et du coup, j'ai pas pu vous les mettre. Donc je vais tout rassembler et vous mettre tout ça dans quelques instants, vous allez voir tout ça. Et voilà, j'espère que vous allez bien, ça va super bien. Donc voilà, j'ai hâte de vous montrer ce que j'ai fait ces derniers jours. Et après, je reprendrai les vlogs petit à petit, normal. Voilà, bisous. Du coup voilà, je sais pas si je m'achète à manger ici ou pas, ou je mange au McDo, un truc comme ça. Donc du coup voilà, je suis trop contente de mes ongles, ils sont trop beaux, je vous ai montré, c'est dingue. Donc j'ai demandé un French Milky. Et du coup voilà, j'aime bien. Petit tour à Monoprix. Donc j'attends quelqu'un. Et là je suis au rayon librairie. Voilà. Pour voir s'il n'y a pas un petit truc pour Mila. Par exemple, ça, ça a l'air sympa. J'aime trop lui acheter des cahiers, des livres, des petits trucs. Franchement, il y a tout pour les enfants. Bon, bah, les filles, j'ai pris ça. Hop. Petite pause, donc là je suis dans le 16e et j'ai pris un bowl. J'avais pas très faim, du coup voilà, avec un thé. Voilà ma petite vue. Super bon, les filles, super bien. Donc là j'attends mon hiver. Et voilà, j'ai super bien mangé. Il me restera encore du temps avant d'aller chercher Bella. Je ne sais pas encore ce que je vais faire, mais en tout cas, voilà quoi, je pense encore dans les boutiques. Hello mes chéris, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans un nouveau vlog. Donc là ça fait un moment que j'ai pas vlogué, vous savez quand je vlog pas c'est que j'ai pas le mood. Donc là j'ai un super bon mood pour YouTube. Donc voilà, ça tombe super bien, j'ai trop envie de faire des vidéos. Donc voilà, donc là j'ai les cheveux tout propres, je viens juste de me laver les cheveux, je viens de faire mon brushing. Donc j'ai fait un masque Christophe Robin pour les blondes, pour raviver la couleur. Tout ça, les nourrir. Donc, il faut que je vous montre le masque. Parce que franchement, il est trop bien, honnêtement. Je l'ai mélangé avec un masque Amika. J'ai pas voulu le mettre. Voilà, donc c'est celui-ci. Donc, soin nuanceur de couleur. Donc, baby blonde. Donc, pour les filles qui sont blondes, je vous le recommande. Il est vraiment bien. Du coup, voilà les filles. Donc là, j'ai un rendez-vous. Parce que là, je vais sortir. J'ai un rendez-vous. Après, normalement, je dois passer à l'Euro Merlin. Et voilà, je vous jure, j'ai tourné plein de vidéos, j'ai plein de vidéos en stock, mais je ne les ai jamais mises. Parce que voilà, comme je vous ai dit, c'est trop relou de monter la vidéo, etc. Quoi. Franchement, c'est trop chiant. Du coup, voilà, peut-être que je vous les mettrai dans le vlog ou dans un autre vlog, je sais pas. Aussi, je voulais vous dire merci pour tous vos messages, parce que voilà, je reçois constamment des messages. Concernant mes vidéos, tout ça, c'est quand que je reviens, c'est quand je poste et tout.
Et quand je pars, voilà, comme ça, quand je fais des disparitions soudaines, toujours je reçois des messages et franchement, vous êtes des amours. Donc voilà, mais en tout cas, je suis toujours là. C'est juste, voilà, des petits moods que j'ai. Et voilà, j'aime bien faire des petites pauses. Bon, bah les filles, je voulais vous montrer donc mes nouvelles bottes de chez Ronika Ovila avant de sortir. Elles sont juste sublimes. Franchement, je les adore. Elles montent jusqu'aux genoux. Elles sont trop canon avec la plateforme. En plus, elles brillent. Elles sont ornées de Swarovski. Donc, j'hésitais avec des bottes Christian Louboutin, vous savez. Mais je me suis dit, allez, j'en ai plein, plein des chaussures de chez Christian Louboutin. Donc, je me suis dit, je vais prendre Ronika Ovila. C'est l'une de mes deux marques préférées avec Giuseppe Zanotti. J'hésitais même à prendre une Zanotti en bottes. Et après, j'ai dit non. Allez, Ronika Ovila. En plus, il y a la plateforme. Et surtout que ça brille. Voilà, comme c'est orné Swarovski. Elles sont hyper confortables. Franchement, j'aime trop. Et donc en pointure, j'ai pris du 39. Elles sont hyper confortables, pardon, les filles. Franchement, j'aime trop. C'est des chaussures assez chères. Hein, quand c'est des marques comme ça de luxe, bah, les bottes, ça coûte super cher. Et ça brille grave, quoi. Surtout la nuit. Les filles, en parlant chaussures, je voulais vous montrer donc mes Louboutins. Elles sont juste trop trop belles. Donc là, elles sont un peu sales parce que là, je les ai grave portées. Il faut que je les nettoie. Elles sont trop 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 canon. Je vous cache pas qu'elles font mal en plexi comme ça. Je vous jure, ça fait trop trop mal aux pieds. Mais bon, ça m'empêche pas de les mettre. En tout cas, elles sont trop trop belles. Voilà. J'ai pris, je crois, du 39,5. Je m'en souviens plus. Mais voilà, canon, franchement j'aime trop. Trop 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 canon, un beige comme ça. En gris, franchement, je sais pas qu'est-ce que je vais choisir. Mais en tout cas, voilà, canon, il y a de tout. Les vélos sont très jolis. Celui-ci, j'aime trop. Il est trop beau. Ces tons là de toute façon ils sont canons. Après il y a les tons plus foncés, argent. Bon bah les filles, j'ai trouvé le mousseur qu'il me fallait, donc c'est à du bruit dans la cuisine. Donc je vais prendre celui-ci. Et voilà. Je suis passée aussi à Calzedonia. Voilà, j'ai pris un collant. Et voilà, je vais regarder qu'est-ce qu'il y a d'autre. Mais en tout cas, voilà, si vous cherchez un mousseur, allez. Les filles, je vous reprends à King Jouet. Donc je suis encore là. Donc ça va faire deux fois que je viens pour Mila. Donc je vous ai promis. Mila, elle aime trop les pinipon. Je l'ai acheté il n'y a pas longtemps, un gros truc, la fête foraine de pinipon. Et du coup, elle a celui-là.
Alors, j'ai trouvé ce que je vais lui prendre. Donc, ça va rester dans le thème du slime. Voilà, ça va agrandir sa collection de slime. Et voilà, ça me semble bien. Mais franchement, c'est cool, hein, cette histoire de slime. De course. Je bug, je suis déjà fatiguée. Donc, voilà, ça va être mon lait. J'ai trouvé ça, ça a l'air pas mal habituellement. Moi, je trouve ça, hein. Je prends ça habituellement. Et là, j'ai trouvé ça, ça a l'air pas mal. Vraiment pas mal. J'ai racheté mon flocon d'avoine. Voilà. Et mon trafido. Les gâteaux pour Mila. Les cocos. Encore un macro. Et les steaks. Voilà. Alors là les filles, je vais prendre le saumon et le tremper dans la farine. Donc je vais faire ça pour... Hop. Voilà, comme ça, ça me semble bon. Et je le mets directement à cuire. Hop. Alors là les filles, j'ai mis les oignons. Donc vous bougez un petit peu comme ça votre poêle. Donc là, je vais venir mettre ma fameuse sauce. J'en mets un peu partout. Donc là, les filles, j'ai fait du riz jaune. Comme vous pouvez le constater dans la machine à riz. Hop. Les filles, donc voilà le résultat de ma recette. C'est juste incroyable. Donc j'ai mis de l'aneth, du piment sur le riz. Je vous invite à tester. C'est super, super simple. Donc voilà pour ma recette au saumon piquant. Ça change des recettes que je vous ai fait. Je sais que c'est toujours avec le saumon et le riz ou les crevettes, mais là, voilà. Voilà. Là les filles, je m'apprête à sortir. Donc j'ai fait mon brushing, tout ça. Je me suis ondulée un petit peu les cheveux, enfin voilà, en mouvement. Donc j'ai refait mes mèches. Donc ça faisait un mois que j'ai fait mes mèches. Et ça pousse à une vitesse folle. Franchement, c'est un truc de fou. Donc, si vous êtes blonde, c'est chaud. Enfin, tous les mois, vous devez faire vos mèches. Et du coup, je suis contente. Il y aura juste une petite retouche à faire, comme d'habitude, en fait. Je préfère faire des retouches que faire d'un coup comme ça. On sait jamais, quoi. Sinon, je voulais vous montrer donc ma tenue. Donc, j'ai mis un haut de chez Shopsider, qui est juste trop beau, un bustier comme ça. Franchement, j'aime trop. Je trouve qu'il me va trop bien. Avec un jean blanc... de chez, je crois, Stradivarius. Donc voilà. J'hésite pour une ceinture. Donc soit je mets une Christian Dior, soit une Ferragamo. Je sais pas du tout. La Gucci, non, parce qu'elle est dans les tons marron glacé et tout ça. Mais là, je veux soit du blanc cassé. Enfin, j'en ai deux, donc soit cassé, enfin, ouais, du blanc cassé. Soit je mets la Ferragamo, soit la Dior. Donc ensuite les filles, donc pour les bijoux, j'ai mis donc un clic-clac de chez Hermès. Donc il est juste trop beau. Donc c'est un nouvel achat que j'ai fait récemment. Donc j'ai mis mon Boy Chanel Nude. Ma montre, c'est un cadeau. Et mon bracelet, mon collier, pardon, donc c'est un cadeau. Donc voilà, hein, je pense que le Hood Fight est assez bien, donc c'est un jean taille basse, je sais pas si je vous ai dit, mais en tout cas, voilà, avec des talons que je vais mettre de chez René Kaovila. Je vous mettrai la photo direct, c'est sûr. Bonjour, un café latte s'il vous plaît. En quelle taille? En petit avec petit. Du lait d'amande s'il vous plaît. Petit lait d'amande? Ouais. Vous voulez chaud? Non, froid s'il vous plaît. Ouais. Et vous? Par contre, un prénom pour la commande s'il vous plaît. Comment? Un prénom pour la commande. Lya. L-Y-A? Oui. Bon, c'est parti pour trouver un chargeur externe. Putain, on dirait qu'ils n'ont jamais vu de gros bouton les gens, je comprends pas pourtant. En talent, je comprends pas. Pas du tout. Si, je vais faire 22h en moins. Voilà, encore avec les chargeurs externes. Alors là, je viens de sortir de la Fnac. Donc, du coup, j'ai acheté mon chargeur externe. Et j'ai acheté 2 livres à Mila, voilà, pour qu'elle s'endort le soir, pour changer.
même si elle a plein de livres, hein, mais voilà, j'ai pris Poupée là, les Martines, trop bien Martine à l'ancienne. Du coup, voilà, là j'attends ma copine et puis après on va aller aux galeries directement. Et voilà, voilou. Hein. Alors là, on est en activité avec Mila, donc c'est ce slime-là, c'est récemment. C'est parti, donc Mila elle a tout préparé, elle a pris son truc à Tchoupi pour mettre. Donc voilà, let's go. Donc vas-y Mila, donc comment ça marche? Donc on a dit qu'il faut prendre le slime et le verser dans un pot. Donc celui que tu veux. Le pot, il ressemble à un parfum. Ouais, c'est celui-là. Et un vernis. Ouais, donc c'est celui-là. Tu prends celui-là. Ok. Vas-y. Donc là, Mila, elle a mis le slime. Donc elle a versé le sable. Le sable ou le slime. Et elle va verser de l'eau jusqu'au trait. Ça fait du rouge. Vas-y, jusqu'au trait. Je t'ai montré lequel. Hein. Vas-y, vas-y, encore. Top. Slime. Et maintenant, il faut le laisser 5 minutes ouvert. Ouais.